It is estimated that 85% of women in Mali have undergone some form of female genital mutilation or cutting, FGMC. Cinéma Numérique Ambulant, CNA, a national NGO, travels from village to village in remote areas of the country. The mobile cinema team, along with health workers, set up an outdoor screen and show entertaining and educational films, encouraging communities to talk openly about the health of children and women. L'excision, c'est un sujet tabou en Afrique, surtout au Mali. Seulement, c'est la tradition. C'est la tradition. Donc, il disait aussi, quand une femme est excisée, ça peut encadrer la sexualité des femmes. Donc, c'est pourquoi il faisait. Musomani yɔrɔ min bɛ yen n'o b'a a fɔ o ma ko dɔw b'a fɔ ko kerekun o yɔrɔ de an b'o de tigɛ u b'o de tigɛ musomani na. Ayi si hakɛ musomaninw bɛ sigi nɛgɛ kɔrɔ si hakɛ dɔ kun bɛ la nka kosɛbɛ nɔ si hakɛ tɛ la o kun ye dɔw kun bɛ k'a fɔ ka. U si kuruta n'an kun b'a fɔ ko furasi olu kun bi sigi nɛgɛ kɔrɔ o waati la o kun ka jugu o juguya barika bonyane u nana kɛ dɔgɔmani ye nin bayangoni o ni minnu bɛ nin ni dugu cɛ o bayangoni u nana k'o san fila san saba o hakɛw la. Ayiwa ne kɔni y'a nɛgɛkɔrɔsigi n'a bɛ kɛ musomaninw n'a tɛ kɛ dɔgɔtɔrɔso la an b'a kɛ so kɔnɔ yɔrɔ lakoronnen na a bɛ kɛ so kɔnɔ yɔrɔ lakoronnenw de la. Ka sɔrɔ m'a dɔn ala la mun kɔni ni n fɛngɛ participer-o la ni n y'o kɛ ni n kun ye a dɔn i komi n y'a dɔn sisan. Parce que il bonne là. Dès que je fais un état, je suis né à Tonyo, je suis né à Tonyo. 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 Je kɛra den min na a filɛ jɛnɛba. Complications stemming from FGMC, such as maternal infection, hemorrhage and newborn asphyxia are common and contribute to the high neonatal, child and maternal mortality rates in the country. According to senior practitioners like Dr. Touré, many women claim that sex with their husbands is very painful. During childbirth, there's more likelihood of tearing. Scarring, leakage, infections and fistula are all common and crippling lifelong complications. Quand l'accouchement se complique, les fistules peuvent survenir parce que la tête vient se bloquer au niveau de l'appareil génital, la tête comprime la vessie. Au bout d'un certain temps, la vessie s'affaiblit, et ça fait un trou. Il y a une communication entre la vessie et l'utérus. C'est ce qu'on appelle la fistule vésico-vaginale. Il y a une communication entre la vessie et le vagin. Ces femmes qui ont développé ces kyloïdes ou ces kystes ou qui ont été infibulés et désinfibulés
la nuit même du mariage, c'est-à-dire la nuit de noces, sont des femmes qui souffrent dans leur corps et âme. Elles souffrent en silence. Fone, on n'a qu'à n'avoir banal et bal avec caché avant boulot pour Agnès Flanga. Ou qu'au foc à boulot coup, car ce qui n'est qu'à coro, pour des bébés banal et bas. Oh, n'a pas fait qu'au foc à boulot coup, qu'au bébé banal bas. Banal malade, nous sommes des soirées qu'on mette au maracola. N'a il a la qu'à foc à boulot coup, qu'au foc des bébés banal et bas. Donc, il veut son à boulot coup. Oh, n'est une dîme là à boulot coup. Beaucoup de gens pensent que les méfaits que les femmes portent, c'est dû à des mauvais sorts, c'est dû à des génies, c'est dû à ceci, à cela. Ils ne font pas forcément le lien entre la pratique de l'excision qui a été faite il y a 10 ans, 15 ans, et ce que les femmes sont en train de vivre maintenant. L'excision est pratiquée par presque tout le monde au Mali. Donc il faut sensibiliser les gens pour amener la persuasion, la conviction. Si les gens abandonnent par persuasion, par conviction, ça va être durable. C'est pourquoi nous utilisons beaucoup les médias modernes comme traditionnels. Et c'est dans ce cadre-là que le Sénat a été utilisé. Dans l'approche avec le Sénat, nous essayons de mettre en œuvre une stratégie intégrée de communication des masses qui commence d'abord par le théâtre forum. Après les représentations, il y a un forum qui s'établit. Les communautés peuvent venir jouer les rôles qui les ont choqués dans la représentation, se substituer aux personnes qui ont joué les mauvais rôles d'après eux. Et ensuite, la communauté a aussi la possibilité de poser des questions, d'avoir des réponses avec des personnes et ressources appropriées qui sont là. Ça permet déjà d'instaurer un dialogue avec la communauté. Et après ce premier maillon, le cinéma numérique ambulant vient. Khadija is the mobile cinema's main facilitator. She and the CNA teams provide outreach, information and support in villages throughout the country. On choisit les villages cibles. On se rend dans ces villages-là en faisant une prise de contact avec les autorités administratives et religieuses. Et quand ils sont d'accord qu'on vienne dans leur village, on leur donne le cahier de charge pour fixer les premières dates de projection. Merci. Ça va bien? Les premières projections dans les villages, c'était vraiment difficile. Les gens ne sortent pas parce qu'il n'y a pas la confiance. Mais au fur et à mesure, on vient, dès qu'on arrive très tôt, on contacte le chef de village, les femmes. Quand il y a un lien entre le village et l'équipe, ils sont rassurés. Quand il y a la confiance, ils sont là tous les jours. Le choix des villages tient compte de la norme sociale qui existe entre les villages, c'est-à-dire les liens de mariage qu'il y a entre les communautés et la base du choix des villages. Et ça, c'est des approches que les ONG ne faisaient pas. Parce qu'on ne peut pas dire à une communauté villageoise arrête d'exciser si elle se marie avec une communauté qui n'a pas arrêté. Le cinéma numérique ambulant passe dans chaque village où le théâtre forum a passé 5 fois. La première fois, il projette un film qui n'a aucun lien à voir avec l'excision. Et c'est du 3e au 5e passage qu'on commence à rentrer dans les questions de l'excision. C'est pas des images méchantes qu'on montre aux gens. C'est des films qui montrent les complications que des femmes ont vécues suite à l'excision. Et une interaction entre la communauté, des échanges s'établissent après le cinéma. Ça permet déjà d'instaurer un dialogue avec la communauté. Après ça, il y a une ONG qui vient, qui passe 2 ans avec la même communauté qui a bénéficié du théâtre forum, du cinéma numérique ambulant.
Cette ONG vient pour établir une communication interpersonnelle. Ils viennent et ils font des actions de formation, de renforcement des capacités de la communauté, des counseling, ils les écoutent. Donc pendant 2 ans, l'ONG est là présente dans le village et les gens, les femmes sont plus confiantes, elles se confient. Je crois que le Sénat est vraiment utile aujourd'hui parce que le Sénat peut couvrir même des zones que les ONG n'arrivent pas à couvrir. Et je sais que le Sénat a apporté encore beaucoup plus à favoriser les discussions entre mes communautés et à travers le film. La façon dont le cinéma numérique aborde le sujet avec ces gens, ils commencent à comprendre. Parce que là, juste après les projections sur les méfaits de l'excision, il y a plein de gens qui viennent vers nous, les victimes, soit le mari des victimes, soit les parents des victimes viennent vers nous pour qu'on leur aide à soigner les victimes. Quand on a barabé kunje domi, bougoune saba konaya, ne kasira di. Parce que ndika kurasi ke kasara mi lase mogo manere nyana. Ode en kasé. Kanaye ka fo kunshi tala fu babe bana de sima ka klaka ibone inina, ka klaka muso ken din soro baliala. Ka klaka muso parce que na ye soro den soro baliala ou bien na ye fien blela, ali tena fu soro ka ke. Chete so ina tuguni. Obe ne kashi. Les mères des enfants, ils comprennent vite, mais généralement, ils ont peur des hommes du village. C'est ça le gros souci. Sinon, il y a des femmes aussi qui sont écoutées dans le village. Il suffit que ces femmes essaient de confronter à ces leaders-là et qui se mettent d'accord sur un processus, et voilà, ils vont abandonner. Pour les villageois, ils disent que c'est la tradition. Pour moi, ce n'est pas la tradition. Nous avons des gardiens des valeurs. Ces gardiens des valeurs-là, mais il faut les former. Quand tu les formes, ensuite tu les utilises. Dans les 10 000 villages du Mali, tu as, dans chacun des villages, tu as un communicateur traditionnel, au moins. Pourquoi ne pas justement exploiter la culture, hein, ces éléments positifs dans la culture malienne, pourquoi ne pas les exploiter dans la lutte contre la pratique de l'excision? C'est les griots, c'est les gens les plus écoutés. S'ils sont impliqués dans cette lutte, je crois qu'on va avancer plus vite pour cette pratique aussi. In Kai, out of 41 villages covered by CNA from June through to August 2009, 12 have declared they will ban the practice. An additional 12 villages reached by UNICEF-sponsored radio programs in the region have also publicly announced the end of FGMC. Je suis un peu plus de temps.
an ye degun min sɔrɔ a la o da ye a kuma caman ye malaka musow fɛ aa sigida wɛrɛ n b'o fɔ kɔn tɛ yan a jara bɛɛ ye a jara ka duguda dugukɔnɔmɔgɔ bɛɛ ye Aywa muso manu ka ne ko korosigi ne bolo ba kunta lanka ni muko jera mun kumba barake ni muko jera ola an kumbo barake o de sabu ya tu ne mun be ne ko korosigi ke nyo lu kabali nyoka kala ba kura ya no ne no lu ka je ka barake nyofe aywa ne ko nta oloma famu nyali bade kala folo famnya nana an fe an tugumina ala mini ke famari ke o ke dunya ni dugu muso bela jere njera ka se ka kuma kwani fo o fana ya nya tugu do fana ye anga ne re ko o ya nya tugu ye me hakili gelen tugu ti se ka famya ko mana ke tugu tugu hakili gelen tugu bala aiwa mu nyere bulu bala ka bara ke wa olu alibi nya fotugomina fo olu de ka famya kusebe famya lika duma kusebe mu bulo be cheni be ka ke yoro mun no lu bulo bala olu yere ka olu mugo wede kunu hakli ranyona o bara bara fene ni dum bala e ba bla mana ke togo togo nu ya ke safne kungile ni na duma o tika ko safne ni be duma amana cheya mana dogoya ku yere be doni soro ola nu yere ya famu nya ka fo alala ni mimbe ka fola ni anyere bulu bala a tese ka ke ate ka wajibi o nka doni fene ka du mo fene bi se ku bulu ma yele matugo mina o ko no fene be fisaya mo woni fi gelem faga te fene ala bulu be ka lo mo kelem ba te ku Je pense qu'il y a un besoin pressant qu'on écoute tout ce qui se dit par rapport au méfait de l'excision et qu'on accepte que ce n'est pas lié à la religion, à aucune des religions, et qu'on accepte le dialogue sur cette question pour arriver vraiment à son abandon. Et je pense qu'avec une large compréhension des conséquences médicales, le phénomène peut être banni dans les années à venir. Quand les gens commencent à discuter, c'est une ouverture d'esprit. Ça veut dire qu'on réfléchit. On réfléchit, on ne peut pas dire tout simplement « Niengala Radi », ça c'est ma tradition. Non. La tradition a été mise en place par des hommes. Donc toute culture a ses points faibles et ses points positifs. Donc il faudrait qu'on ait le courage d'en discuter, de laisser tomber ce qui est négatif dans notre culture et de prendre ce qui est positif dans notre culture. Alors, on va prendre les têtes à la boule.